Hey, c'est tout le monde, c'est Stanliard. On se retrouve pour cet épisode de Orient The Blind Forest, le 17ème du nom. Et vous dites, mais what the fuck, tellement il a de vie, tellement il a de points de compétence, parce que j'en ai 10 de points de compétence. Alors écoute les amis, c'est hier vers 19h, j'avais 2 heures à peu près devant moi. Je suis repassé dans toutes les zones excepté le bois brumeux, qui doit sûrement y avoir aussi, pour récupérer tout l'annexe. J'ai récupéré j'ai récupéré 8 points de compétence, donc des points de compétence entiers. D'ailleurs, je suis même un tout petit peu exploré pour prendre le point de compétence qui était ici. Il y en avait un, j'avais vu. Voilà. Et j'ai récupéré, alors attends, la dernière fois, j'ai récupéré 1, 2, 3, 4. J'ai récupéré plus ou moins, ouais, j'ai récupéré 6 points de vie, ce qui a beaucoup m'aidé quand même, parce que j'en ai un peu besoin ce temps-ci, parce que vu que je suis one shot pour l'instant. Et j'ai 10 points de compétence, les amis. Ah, les points de compétence, on avait un petit peu de partout. En fait, tu en vois là, dès que tu repasses dans les anciennes zones, vous pouvez voir plein de trucs. Par exemple, ici, voyez-vous, il y a des trucs à casser. Il y a plein de trucs de partout. Ici, par contre, je vais vous dire un truc. J'avais remarqué, ici, j'ai voulu explorer, mais je pouvais pas, parce qu'en fait, ici, c'est encore plus difficile que là. Genre, il y a des monstres, une sorte de... Est-ce que vous vous rappelez une sorte de boss, mais le vrai boss, pas une sorte d'ennemi, une sorte de boule un peu, où il fallait leur envoyer ses attaques dans l'arbre Ginzo. Et bah, il y a que des trucs comme ça, parce que tu vois des gros lasers de flammes qui te one shot. Ouais! Donc ça fait un petit peu mal. Donc, on va tout de suite utiliser ses points de compétence. Donc là, si j'en claque 6, je peux faire un triple saut. Non, si j'en claque 5. Du coup, je pense que ça permet de faire un triple saut. Il nous reste encore 5 points. Alors, réduit les dégâts infligés par les ennemis. Ça pourrait être pas mal. Être quand même pas mal. Qu'est-ce que c'est là? Ouais, c'est pas mal. Oh, ça pourrait être pas mal quand même. Ça pourrait être pas mal, ça non plus. Il va falloir chance aussi à attaquer, mais bon, on va prendre de la défense. Allez. Maître des âmes. Ça augmente la puissance. On va prendre ça. Alors, manque ça. L'énergie, on s'en fout. Ah non, l'énergie! Oh bah désolé, désolé pour la puissance, mais clairement ça s'est fumé. Ça s'est fumé. Voilà. Donc on a tous nos points. Donc maintenant, on peut faire un triple saut et ça c'est génial. On va continuer à explorer cette zone, mais avec un triple saut, je pense vraiment que ça va être soudainement plus facile. Oh, il y a forcément quelque chose. Tellement pas possible. Toi, ça dit, tu vas faire un tour là-bas? Allez, excellent. Et voilà, donc on a la troisième pierre. Oh my god. Donc, je vous rappelle que nous sommes dans le col du chagrin. Ah, d'accord, je vais finir la chaîne, je vois si vous. À droite, il y a quelque chose. Non, bah non, il y a rien. Et là, il en faut 4 pour ouvrir aussi. What? Là, hein, faudrait peut-être qu'on continue par là. Oh,
100% quelque chose. Normalement, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Mais quand même. C'est quasi sûr. Ah, quoique, attendez. Ici, là-bas, j'ai pas exploré. Faudrait qu'on y aille. Tire-moi dessus, tu me vois. Tu me vois. Tu me vois. Tu me vois pas, c'est un mensonge. Mais merde. C'est pour le morceau de pire carte là-bas. Bon, anyway. Ouais, bon, allez, on avance. Attendez, donc là, si je me trompe pas, c'est notre 50. Oh, got it. Oh god, tellement de mana. Ah bah non, y'a rien. D'accord, c'est un boom comme ça. Est-ce que c'est magnifique, je trouve. Nice. J'ai un quatrième, alors on ouvre quelle porte? C'est la question, est-ce qu'on ouvre celle-là? Ou alors est-ce qu'on ouvre celle-là? Celle-là qui nous ramène là, qui nous... Oh ouais, non, clairement, j'ai un peu mieux. Cadeau. Non. Tiens. Et cette fois, c'est moi qui pousse. Allez, go. On ouvre ça. C'est des points de mana qu'il faut et pas des... D'accord. Mais oui, c'est clair. J'avais pas vu ça comme ça. Enfin, je crois que... What the fuck. On a besoin de vivre avec toi. Oh, got it. Ok. Je suis là. Ça a vraiment pas l'air de déconner. C'est bon. Donc le morceau de pire carte est fait. Attendez, le morceau de pire carte, c'est ici, ouais. Je l'ai loupé, quelle belle. C'est juste. Crève toi. Aïe oh. J'ai loupé pour placer le morceau de pire carte. Ah, que mon cher ami Xerox est connecté sur ce type. Mais il a pas intérêt de m'appeler. Hop là. Si vous m'appelez, vous inquiétez pas, on va la chute à la combo, c'est marrant. Merde. Bon les amis, on va ajouter le frère Xerox à la combo. What the f... On a un pouvoir, vous l'avez vu, il est là. Le petit pouvoir des familles. Et ici c'est le donjon. Le petit pouvoir des familles.
fait zizir. Attendez les amis, on va juste dire que c'est la convo. Bonjour. Je suis en plein épisode de Orin de Blind Forest, mais vu que je t'ai vu connecté, je me suis dit tiens, si on faisait chier les gens qui regardent mon épisode. D'accord. Donc vas-y, raconte une anecdote sur tes classes, comme ça tu veux faire caca. Sur quoi? Tu te rappelles? T'as été 6ème C. Ah oui, 5ème non. 5ème A. Raconte l'anecdote! Les gens veulent savoir. Alors, effectivement, j'étais 6ème C et 5ème A. Donc, si je suis 4ème C et 3ème A, voilà, si on met les lettres ensemble, effectivement, c'est le nom d'une déjection. Voilà. Actuellement, je viens de mettre le morceau de Pierre Carte dans le col du chagrin. Oh, et je vais me prendre un coup, mais ta mère, la grenouille! En fait, dans le monde, genre dans ce putain de jeu, tout le monde veut que me tuer. Hein. Genre, réellement, tout le monde veut mon cul. Oh, Yamete! Oh, Yamete! Oh, t'es trop. Putain, c'est chiant. Donc, oui, donc maintenant que Xerox est dans la convo, nous sommes rentrés dans la zone des cons. Hein. Quoi? Non, mais c'est-à-dire. C'est-à-dire, genre, maintenant l'épisode était un petit peu sérieux déjà. Enfin, on va dire qu'il était sérieux. L'épisode. Voilà, je crains le pire. L'épisode est devenu. Et maintenant, c'est parti pour les Yamete Tete Dégueulasse Aïe. Hein. Oula. Tu connais pas ce que c'est, Yamete Tete Dégueulasse Aïe? Pas du tout. Mais je crois que je préfère ne pas savoir en fait. C'est ce que disent les Japonais quand ils pèsent. Yamete, ça veut dire arrête, t'es dégueulasse Aïe, ça veut dire t'es dégueu. Non, ça veut dire c'est dégueulasse. Oh, Yamete! Ouais, bon. Bon, un petit pays 18 des familles sur l'épisode. Hein. Un bon petit strike, ça fait que plaisir. Oh, ici, il y a un trou, je suis sûr. Effectivement, parce qu'on joue au bowling. C'est maintenant que je dois rire, c'est ça? Effectivement. Donc, ici, je peux ouvrir la porte avec les 4 fragments. Et nous allons pouvoir pénétrer dans la prochaine zone. La zone s'appelle la zone le point G. Oh my god, Piggy 18, tu me prends. Donc j'ai fait tout ça pour rien, on est d'accord? Effectivement, parce que cette zone, je l'ai déjà ouverte par ici. Ah, oh, qu'est-ce que j'emmerde les Japonais. En gros, en fait, j'ai glitch. Si on va être d'accord. C'est-à-dire qu'avant je glitch, j'aurais pu garder mes 4 morceaux comme ça pour glitch plus tard. Parce que oui, quand vous gardez votre 4 morceaux, plus tard, j'aurais pas besoin de chercher les 4 morceaux suivants. En gros, je viens de me niquer 2 heures de jeu. Excellent, j'adore. M'appelle, il n'y en a pas deux. Alors, ici, c'est juste pour un truc de merde, donc non. Alors, montons dans cette zone. Oh non, par contre, c'est pour un gros brasier. Mais bon, Joseph. Maintenant, j'ai obtenu le triple saut. Donc, voyez-vous, c'était ici que j'ai la cellule de compétences. De toute façon, on t'entend même pas, parce que Fraps ne recorde pas la conversation. C'est trop, en fait, je suis en train de parler dans le vide comme un gros porc. À partir de là, c'est quand même pour une cellule de vitalité, et je la veux. Oh non! Mais putain, j'aurais pas ouvert comme un con ça! Attendez, est-ce que j'ai sauvegardé? Je crois. Oui, je sauvegarde. Putain! J'aurais pas dû sauvegarder parce que. Ah, bonjour les succès Steam. C'est vrai que pour. C'est vrai que pour ouvrir la carte, c'est Tab. Et que pour rester sur la plume du Kuro, c'est Shift. Donc du coup, c'est magnifique comme ça ouvre les trucs Steam. Bon, toi, non mais genre, tu vas. Ta grand-mère sur toutes les bites de l'enfer. Je vous mettrai un lien de la vidéo, hein, vraiment. Alors là, vraiment, Peggy 18, cette vidéo. Des petits squelettes qui font des choses un petit peu très catholiques. Par ici, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, écoute, on s'en fout. On va peut-être esquiver un petit peu les gros lasers qui veulent que nous tuer. Parce que dans ce monde, tout veut te tuer. Genre, je sais pas ce que t'as fait, t'as peut-être des. T'as... Oui, je pense, ouais. Oui, j'avoue que j'ai tué toute la faune. Non, la flore. Enfin, je sais plus. Maître Xerox sur son arbre perché. Quelle est la. C'est quoi la faune et c'est quoi la flore? Alors, il me semble que la. Flore, c'est les. C'est les plantes. Et la faune, c'est les animaux. Excellent. Donc, j'ai tué toute la faune.
Au pire, je vais aller chercher ça sur notre ami Wikipédia. Donc j'ai balancé. Excellent! Oh, j'adore le concept! Donc j'ai balancé La faune, c'est les animaux. Donc j'ai balancé une boule de façon inutile, mais elle est partie. Hein. Donc là, vous voyez, regarde à gauche. À gauche, on va pas se faire berner comme des calamars. Et voilà, et la flore, c'est les. Voilà, et là, on a un truc de mana parce qu'on s'est pas fait berner comme des Bernard l'ermite. Oh non! Non! Pourquoi j'arrive dans une game en créateur d'équipe et ils cherchent 3 top lanes en fait? Ils en ont déjà un et ils en cherchent 2 autres. Donc là voilà, nous sommes partis dans le monde de League of Legends. Et en fait, dès que je suis arrivé, ils m'ont viré, c'était bizarre. En fait, il y avait un mid lane, un top lane, ils cherchaient un jungle. Et donc j'ai encore fait ça pour rien! Mais pourquoi j'ai ouvert cette porte avec 4 fragments? Pour rien! Parce que YOLO! Voilà, cet homme gâche des fragments pour ouvrir plein de portes qui servent à rien. Tu sais même pas ce que c'est les fragments? Bah si, j'ai regardé les premiers épisodes. Ah oui, c'est vrai! C'est vrai, c'est lui qui fait partie de mes. Alors, donc là, normalement, faut que je descende. Est-ce que tu peux utiliser des fragments? Est-ce que t'as besoin de fragments pour ouvrir la porte des toilettes? Oh, sinon, c'est pas très pratique. Vous êtes d'accord, on vire la convo, là. Je pense que c'est le mieux pour la dignité de l'ensemble des personnes. Ah, mais c'est qu'il y a légèrement un gros laser de sa mère? Oh, j'ai compris. Il l'a compris. D'accord. Du coup, faut récupérer la grosse pomme de pin. Ta gueule, c'est juste ta gueule. J'aurais pu faire la grosse pomme de pin, la grosse boule. Vous voyez, hein, vous, pour esquiver un laser, si vous one-shot, je préfère sauter dans les pics qui vous one-shot aussi. Mais c'est plus marrant de sauter dans un autre truc qui vous one-shot. Ok, donc j'ai compris. Donc la grosse boule, il faut que je la ramène pour qu'elle arrête le laser ici. Voilà. En fait, le problème, Xerox, est-ce que tu sais, tu connais les touches rémanentes pour faire chier les profs quand on est dans un info? Oui, je vois. Et ben en fait, pour sortir la plume, moi c'est shift. Et genre par exemple, quand je dois m'arrêter, donc en gros je dois ouvrir la plume, la sortir et tout. Et ben généralement, ça fait, voulez-vous activer les touches rémanentes? Mais je veux pas. Mais sinon, ouais, si vous connaissez pas ce trick, c'est vraiment bien. Genre quand il y a 28 PC dans votre salle et que le prof ne sait pas. En fait, le but c'est de kidnapper le clavier de son voisin, d'appuyer 5 fois sur entrée, et enfin 5 fois sur majuscule et une fois sur entrée. Et après, dès qu'il va appuyer sur certaines touches, donc sur majuscule, V majuscule, shift, ça va faire des putains de bruit. Apprends à faire chez les profs avec Xerox. Pourquoi je tombe toujours sur des maîtres? Donc, du coup, on va perdre parce que. Bah non, il va prendre guerrier ce con! Dans notre team, non mais attends, dans leur team est pas du tout pété, hein. Ils ont Nasus, Mordekaiser, Yi, Caitlyn, Lux. Et voilà. Ah, ça veut dire que c'est Mordekaiser mid, lol. Bah quoi que c'est pas si nul parce que du coup il y aura... Et donc voilà, donc grâce à ça les amis, nous pouvons à présent... Bon, heureusement que je joue pas... En plus j'ai hésité à jouer top ou jungle et le top c'est Nasus, donc... Ouais, donc faut quand même bien utiliser les boules dans cette zone. J'aurais été top, je me serais suicidé. Faut bien, bah suicide-toi. Non, c'est vrai, je suis jungle. C'est vrai que cet homme fait partie des gens qui haïssent Azus. Ah, je le hais, mais à côté, Timo, c'est un ange. Azus. Oh, il est mignon, Azus. C'est un petit chien. C'est le démon. Dans une zone dangereuse, mais il n'y a pas de danger. Il y a juste 3 grenouilles qui me tirent dessus. C'est bon. Oh, j'ai connu pire, quoi. C'est bon, j'ai dû m'évader d'une... C'est des grenouilles qui ont des Kalachnikov ou il se passe quoi? Non, elles t'envoient de la bave radioactive qui généralement te fait très mal. Ok, d'accord, donc c'est des grenouilles de Fukushima. Non, du port de Chine. Ah tiens, merde! En fait, ce qui s'est passé, c'est pas drôle. Ah. En fait, je voulais pousser une grenouille dans le rayon laser, mais en fait je me suis trompé, donc du coup c'est moi que j'ai poussé dans le rayon laser. Donc là, voyez-vous, c'est normal, hein. Donc, gros pousser une sorte de grosse pomme de pin. Donc, vous inquiétez pas, vous connaîtrez ça plus tard.
Pourquoi le brome? Il y a un brome dans ma team qui est français et il a dit Tain, t'as repris le room. Ok. Merde! Je voulais juste briller, je voulais juste briller. Voilà. Du coup, ici, c'est pas dangereux, il y a juste des gros lasers. C'est bon, des gros lasers qui te one-shot, j'ai vu pire. C'est bon, j'ai déjà eu une grosse boule d'énergie qui tire des lasers et quand il tire des lasers, c'est un sort de bruit de pisse. La Tristana dit, je viens de me rouler un de ces cônes. Ok, donc je joue avec des drogués, effectivement. Tellement! Non, mais ça va! C'est bon, c'est juste des drogués. Alors, toi, non. Petite grenouille radioactive venue de du port de je sais plus quoi, comment ça s'appelle, cette ville de merde. Oh putain, s'il y a des japonais qui regardent ma vidéo plus tard. Hop là! Eh oui, c'est toi qui vas dans le rayon laser, mon grand! Eh oui, t'as les boules! Eh oui, je sais! Oui, je sais, t'as envie de te suicider. Je sais, mais ça c'est fait partie. En même temps, t'es mort. C'est un peu tard pour te suicider. Oh yo. Regarde, Tsunemiko. Donc, du coup, on va couper le laser par là. On va couper la source. Merde, c'est vrai que je dois. Donc là, quand même, le triple saut nous sert pas trop mal. Voilà, donc faut retirer de la source. Donc la rentrée est mercredi. Ouais, donc là, il n'y a plus de danger, mais abuse pas, il n'y a pas de danger. C'est bon, il y a juste trois rayons laser que j'ai coupés par la force de mon pouvoir qui me permet d'envoyer des... Ouais, bon, c'est dégueulasse. Donc là, je peux ouvrir un raccourci par là. Donc, ouvrons. Oh my god! Ouvrir le raccourci, ça a fait du bruit. Oui! Ici. Je pouvais? D'accord, non mais d'un pixel à un autre, tu peux pas te créer de lien d'âme. Non mais d'accord, c'est votre choix. Donc aujourd'hui, nous aurons exploré le col du chagrin. Là, nous rentrons dans une zone avec des pics de partout. Dans une zone où on va en chier. Parce qu'il y a une porte où il demande 4 fragments dans cette porte. Que je regardais mes 4 fragments tout à l'heure, j'aurais pu glitch le jeu. Donc, du coup, je suis de type déçu. Et donc du coup là je vais devoir utiliser mon triple saut car j'ai fait de la next sans vous parce que c'était marrant. Car oui, hier j'ai joué 2 heures pour récupérer tous les fragments de vie et tout. Car j'aime bien raconter ma vie. Alors ça se passe comment? Ok. Non mais c'est que ça fait mal ces machins. Et voilà, les touches rémanentes. Donc je sais pas si vous avez vu, vous normalement vous aurez vu Jean pause. Aïe! Mais ça fait mal! Donc ici, regardez, ici. Ouh! Mais c'est qu'il y a quelque chose! Ah merde, il n'y a plus d'air ici, c'est vrai. Ah donc j'ai un HP! D'accord! Donc j'ai eu un HP. Attendez, il y a un hôtel de la vie, non loin. Ok, il est en haut. Excellent. Donc là, si je me prends les cornflakes, je suis mort. Les hein? T'as des ennemis, c'est les cornflakes? Non, il y a des. C'est, en fait, c'est qu'il y a. En gros, là, je dois, avec de l'air, avec la plume de Kuro, je dois esquiver des murs pleins d'épines. On dirait des cornflakes. Et putain que les touches rémanentes vont s'activer. Non, c'est bon. Du coup ici je peux refaire un point de sauvegarde pour regagner 2 points de vie parce que c'est bien connu, utiliser de la mana vous rend de la vie. Donc ton perso c'est GP. Totalement. Non. Oh esquive les cornes flex, sorry. Mais non mais... Oh c'est méga chaud. Les touches voilà, rémanentes. C'est mon kill. Le mec, je lui ai caissé un kill, tu sais ce qu'il me dit? Well play. Oui, non mais les drogués sont partout.
Parce qu'en fait, Fizz, il a décalé l'entoplane. Et moi, comme quoi, je suis jungle, je suis arrivé, j'ai dash, j'ai mis un sort, j'ai buté voilà, le... Voilà, on re-sauvegarde. Allez, on retourne dans la zone des cornflakes. Donc, en même temps, vous avez le commentatage de Xerox. Hein. Et donc, le mec me dit, well play. Au début, je voulais avoir l'assist, puis après, j'ai décidé de le tuer. C'est le mec, oh, tu m'as caillé son pentakill. GG. Vraiment, c'était worse, c'était le meilleur move que tu pouvais faire, mon non, gars. Mais je suis sûr, mais c'est qu'en ranked challenger, les yeux, en ranked challenger, les mecs, tu caillé son pentakill, ils s'en foutent. Hein. C'est pour eux, tant qu'ils peuvent gagner la game. Les touches rémanentes de ta maman. C'est bon, on a ouvert la zone, on a récupéré. Ah ok, la smite c'est lourd tranquillement, au calme. Parce que smite... dans sa jungle, mais du coup... Parce que smite le raid, ça pue la merde, ça donne pas de la vie. Et smite les clones, ça te donne pas de stun non plus. Voilà, attaque-moi. Ah non, c'était pas moi, désolé. Oh, il y a MSC. Tu joues qui en fait? Wukong. Ah, il joue Wukong. C'est un singe, hein. C'est pour ça tout à l'heure, en fait, j'ai touche mis mon E pour avoir la... Bah j'ai non. mis mon E pour dash sur le Nasus pour avoir l'assist, puis après j'ai mis mon E, je l'ai tué. C'est bon les amis, on a les 4, on a les 4 fragments et on va pouvoir alors récupérer ce pouvoir. Ce pouvoir d'ailleurs, quel est-il? Genre les monstres de la jungle ils sont débiles, ils focus mon clone même quand moi aussi je réapparais. D'ailleurs il ne manque plus qu'un pouvoir, donc quel est-il ce pouvoir? Non toi tu tires, oh putain il a réussi à tirer ce combat, tiens de ta gueule. Non tu tires pas et tu dégages. Ouch, j'ai failli esquiver avec Baus. Et voilà, le nouveau pouvoir va être à nous, on va s'arrêter là-dessus. On n'a toujours pas vu Maître Yi. Alors attends, ta gueule, toi. Je vais lire le dialogue. Cet esprit s'est aussi sacrifié pour Nivelle. Nir, voilà, tire d'elle. Portait à la conquête des cieux. Son monde n'avait aucune frontière jusqu'au jour où la forêt devint aveugle. Allez, go, vas-y, prends le pouvoir. Oh, nice, ça me rend la vie, c'est cool. Mais Fizz, mais à chaque fois, il décale, genre... Ta gueule. C'est tout le temps Fizz qui gagne, il ne laisse rien faire. Tu maîtrises le saut avec élan pour utiliser cette compétence depuis longtemps sur Flèche d'Io, compétence... Sérieusement, j'étais invisible, ils ont réussi à mettre tout leur sort sur moi. Je voilà. Fais bien chier, là. Hein. Oui, totalement. Bah, en fait, t'as niqué tous les pitness. Donc là, regarde, j'appuie, et boum. Oh, c'est trop bien. Oh oui. Ah merde, par contre, ça one shot, mais c'est vrai que j'ai la vie. Oh, le triple saut me sert beaucoup dans cette zone. Je fais comment là? Comme ça, je glitch? Ah d'accord, non mais... Attendez. Ah d'accord, c'est que je peux... Non mais oh, j'ai pas compris comme ça. On prend la lanterne. Putain mais je peux pas m'arrêter là, je peux pas m'arrêter sur un mur. C'est pas logique. Oh par contre la musique. Oh je l'adore. Ça c'était sûr. Et voilà j'ai un point de compétence en plus. Je suis trop un MLG du jeu. Et on va s'arrêter là-dessus les amis pour ce 17ème épisode de Orient de Blind Forest Fit Xerox. Au revoir. Au revoir. Allez bye bye tout le monde. C'était Standard.